C'est Skyway, j'aime pas. Je vais me mettre en affaire contre Skyway parce que je me fais chier. On a pas de limite. Oh là là. Par le joueur FR. Chiton. Un mort. Nice. Salut tout le monde, c'est Sky. N'oublie pas le code SkyWaz. Jouant à la manette depuis mes débuts dans le gaming, j'ai donc commencé Fortnite à la manette. Mais depuis à peu près 2020, la manette me saoule. J'ai donc voulu passer Clayso. Mais ma souris de l'époque ne me le permettait pas car elle s'accadait à mort. Il y a peu, je me suis acheté une nouvelle souris. Et deux mois plus tard, et après une multitude de réflexions, j'ai décidé de passer Clayso. Voici mon niveau en à peu près un mois. Il me manque encore énormément de mécanique et des fois je bégaye que ça soit sur le shoot ou sur l'edit, mais le plus gros problème c'est que je ne suis toujours pas habile aux clés souris et donc je me coupe très fréquemment de touches, mais en général ça va. Pourquoi ce changement si radical? Pour commencer, un CS aura toujours plus d'avantages qu'une manette. Que ça soit en edit, je trouve que c'est plus précis CS. Même mécaniquement, un manette qui a des mécas c'est très rare et ceux qui en ont sont pour la plupart pas bons en compétition et savent plus construire et éditer. Et je voulais clairement pas être un Creative Forever. L'une des choses les plus compliquées à obtenir que les souris, c'est le shoot. Mais pour ma part, je l'avais déjà. Contrairement à la manette, sur CS, quand on parle de shoot, on parle de shoot pur. Il n'y a pas des massifs ou je sais pas quoi, donc si tu loupes tes balles, t'es juste mauvais mon pote. Surtout qu'il y a beaucoup moins de bloom à la souris. Conclusion, SkyWaz lâche la manette et vole le clavier souris. Oh non, j'ai pué sa mère, frère.